entends parler du Gulf Stream à la météo. Vous savez ce que ça veut dire, le Gulf Stream? Ben oui, ça veut dire le golf que tu regardes en streaming. Mais non, t'es bête, Raniel va t'expliquer. Les océans forment un océan global. Cet océan fonctionne comme un grand thermos, géant qui retire la chaleur et la relâche sur plusieurs siècles. L'océan absorbe une grande partie de l'énergie solaire. Des masses d'eau chaude transportent en surface la chaleur accumulée des tropiques vers les pôles. Des courants froids circulant en profondeur font le trajet inverse, c'est le Gulf Stream. Ceci permet la redistribution de la chaleur à l'échelle de la planète. Place maintenant à nos experts pour simuler ce phénomène et l'observer. Alors nous allons essayer de simuler l'effet du Gulf Stream. Nous disposons d'un bac rempli d'eau, d'un chronomètre, d'un thermomètre, d'une source de chaleur et d'un ventilateur. À l'état initial, nous allons mesurer la température du point B et du point A. Nous démarrons le chronomètre et nous allons attendre que l'eau chauffe. Nous relevons la température du point B. Maintenant, on place le ventilateur pour simuler le vent. Je relève la température du point A. Comme vous pouvez le voir sur ce relevé de température, on voit que la chaleur est transmise à l'eau par le vent. On peut donc dire que l'on a réussi à simuler une partie de l'effet du Gulf Stream, c'est-à-dire la répartition et la diffusion de la chaleur à travers les vents. Nous allons faire une expérience pour savoir où se situe la chaleur dans l'eau. Pour cela, nous avons besoin d'un bac rempli de salée, de deux thermomètres, un au fond du bac et un à la surface du bac. Au temps initial, nous allons relever la température des deux thermomètres. 21 degrés. 21 degrés. Maintenant, nous allons mettre de l'eau chaude dans le bac et voir où se situe la chaleur au bout d'un certain temps. Au bout de 30 minutes, nous allons relever la température des deux thermomètres. 28 degrés et 26 degrés. Pour conclure notre expérience, on voit que la température la plus élevée est en haut du bac. Nos expériences nous ont permis de simuler qu'une partie du phénomène du Gulf Stream. Le Gulf Stream amenant des eaux chaudes vers les côtes européennes va contribuer à tempérer le climat européen. À titre d'exemple, Madrid et New York sont sur la même latitude. Et pourtant, Madrid a un hiver plus doux qu'à New York. Cela est dû en partie au Gulf Stream. On dit de lui qu'il est le radiateur de l'Europe. La réalité est plus complexe que les expériences que nous vous avons présentées. Mais c'est ça la science! Vive la science!